Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue sur Contact Pro Live. Je suis encore ravi, encore une fois de plus, de vous avoir nombreux et de recevoir surtout vos messages. Le message en réaction de l'émission d'hier, vos messages, vos abonnements, il y a beaucoup de gens qui se sont abonnés. En tout cas, j'apprécie tout quand, surtout j'ai le feedback, ça me donne encore envie de faire mieux le travail que je suis en train de faire. Je voudrais préciser une chose. Ici, cette chaîne n'est pas une chaîne d'information où vous viendrez vous informer sur l'actualité. Non. Nous analysons l'actualité en concomitance avec la Constitution. Et nous apportons les solutions. Nous proposons ici les solutions aux problèmes auxquels notre pays est en train de traverser. Et nous essayons un peu de donner notre point de vue, nous essayons de donner notre éditorial. C'est ça la ligne éditoriale de ce média Contact Pro Live. Nous ne sommes pas pro Tshisekedi ou pro Fayulu ou quoi que ce soit. Nous regardons la valeur intrinsèque. Nous essayons un peu de voir qu'est-ce qui peut nous faire sortir de cette situation dans laquelle nous sommes. Parce que beaucoup de gens sont en train de nous leurrer, de nous mentir que le pays va bien. Ceux qui sont au pouvoir, ceux qui se retrouvent au mangeoir, voudraient que la situation reste la même. Pourtant, ce pays ici restera. Nous les hommes, nous passerons. Bande komboka oyo, ekosi la tango biso to kufate. Mboka oyo koti kalaka, epaya bana na biso, epaya ba petit-fils na biso. La question est de savoir maintenant, mboka oyo tango tokotika yango na ba division oyo, tokotika yango na ba nanani na modele oyo ezali. Awa mboka ekomi kozala kaka na batu moko boye oyo bazo salela, oyo baza ko profiter na yango, et puis ko profiter wana eza ko créer ba discordance, c'est ça qu'on procréer, ma guerre, c'est ça qu'on procréer, ma biloko moko ya mabe. C'est ça un peu que nous parlons ici dans Contact Pro Live. Bandeko, l'émission à l'élo, ça c'était juste un petit recadrage. Mais l'émission à l'élo, tokolobelande, tokolobanine, nous allons d'abord vous faire voir où est-ce que nous sommes dans la quatrième administration à Bissot. Il y a l'élo. Nous ne planifions pas. Donc, nous allons parler de l'organisation actuelle de la République démocratique du Congo. Et puis, nous allons vous suggérer ce que nous pensons pour que Toko Longwana et Loko Ndengeni. En fait, il ne suffit pas tout simplement à dénoncer. Il faut que l'on puisse avoir une solution. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. L'administration de la République démocratique du Congo commence à l'administration et Tambolaka. Alors, avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent sur Internet et puis nous revenons tout de suite après pour développer notre sujet. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par Election.net. Kinshasa, le vendeur ambulant en colère contre Kasongo Ngovila. Depuis hier, EPST a fait 16 millions de dollars des intervenants au TENAFEP. IGF demande à Tony Mwamba de reformuler une nouvelle demande au ministre du budget accompagné d'éléments probants. Allons sur actualité.cd. 24 ans après sa mort, le corps de Mobutu se trouve toujours au Maroc. Félix Tshisekedi en Turquie sur l'invitation de Recep Tayyip Erdogan. Le préparatif du sommet Turquie-Afrique au programme. Et puis on va sur Congo profond. RDC Tanzanie, la pose des bornes se poursuit le long de la frontière terrestre. Depuis suspension de trafic à l'approche de son accouchement, une femme enceinte se trouve bloquée à Komanda. Tourisme domestique, une centaine d'enseignants sont occupés à Lukunga. On va sur 7/7. Sankourou, 60 perroquets gris saisis à l'aéroport de Lodja. Puis à Kinshasa, à l'approche de la saison pluvieuse, plusieurs rivières à niveau toujours non curé. On termine par Radio Okapi. Prospérité, coup d'état en Guinée-Conakry, une humiliation.
puis éliminatoire à Coupe du Monde. Le Bénin et la RDC se sont neutralisés un but partout. Merci, on se revoit demain dans un nouveau numéro. Au revoir. Merci, merci. En tout cas, Boyo qui binomoko actualité a prédominé par Makambozo le Can Afrique, na Babilo comme sous Mike Mike. Et puis, vous allez voir que même le gouvernement actuel, eza gouvernement moko oyo, eza ko réagir na ba makambo. Quand il y a quelque chose à Chika par là-bas, dans le Kasaï, le gouvernement doit réagir. Vous allez voir ce que, au Komona Kaka, à ta journaliste Moussousou, Bazoua qui est devant, tant au Kakabayo qui est comme, Bake Kotala, Kosala ba investigation sur ce qui se passait sur la rivière Kasaï. Et c'est comme ça. Prenons encore un exemple, Boyoka qui a dernièrement l'éruption volcanique na Goma kuna. Gouvernement est qu'on réagit. Pourtant, il y a des institutions qui sont là. Et ça n'a rapport au Ezako Salem. Mais si quoi, regardez un peu ce que vous allez nazo faire remarquer bino ao. Na discours ya président ya investiture ya président, na discours ya investiture ya premier ministre. Babilo ko belé l'Obama té. Ce qu'ils ont prévu et ils ont réalisé maintenant ils ont sur le terrain. Ils n'apportent pas la solution. Ils ont proposé à peu près une affaire sur qu'il y a 300 lignes de conduite au Bakosa et la Nango. Or Bilo quoi na nyoso, c'est ils ont pratiquement rêveri. Bah ils ont qu'on rêvé. L'exemple encore typique Ezali Makambu Oyo. Il y a éducation sur l'éducation. Le ministre Muindo Zangi, en arrivant à la tête des enseignements supérieurs et universitaires, n'a commis qu'au programme, oh non, nous allons devoir faire banani ba état général et enseignement à Lubumbashi, qui a commencé donc et banaki na lundi. C'est ça le makaka dans la précipitation. On ne prévoit pas. C'est ça, donc, nous créons nous-mêmes nos échecs. Parce que, Elokoana, ça devrait être un programme vraiment il y a 5 ans, il y a 10 ans. Et quand un gouvernement vient, il faut écouter déjà le tableau de bord, Vlasnini Mbokezali. Mais nous constatons que le gouvernement vient, et vous remarquerez même, dans le langage où il y a le président de la République, na katango à campagne sur Top Congo, il avait dit quoi? Il dira que non, Mouto a dit ce qu'il va faire, et Zakaka Kabila ou Azalaki président. Non, monsieur le président de la République. Wana Siko, tous ont subi maintenant ma conséquence à ma malobawana. Parce qu'il s'est dit que non, na kokende koye bala makamwango, tant on a au coma, gouverneur ou bien tant on a au coma président de la République. Nena kobanda koyeba nini yango ele kakanini. Non, et ça le makabongo te. Je crois que na ba écrivain belé ou balobaka ke no diriger se prévoir. Tant on a kokoma mokonzi na kosala nini. Et loko nini yango eza mabe awa o il faut que na bongisa. Nini njoko mubaya apa na il faut ni tengeneze. Na kwa kutengeneza apa il faut ni fanye nini. Qu'est-ce qu'il faut pour que na réunir mbongo. Je ne veux pas venir. Na kuta système o ezo salaté na ke kende kuna na obité na ke nena na koye ko la système wana après na ko banda ko luka solution. C'est ça qui fait le mal de notre pays parce que les gens qui arrivent au pouvoir ne savent pas exactement ce qu'ils viennent faire. Et loko moko ezaka ka ko animer bango na za na eloko te. Nanu na dirijate, nanu na zana ndakute, na koma nanu millionaire te, compte bancaire nangai, na kosala ndeni ni tour nangai angoyo, il faut na luka mwaenga pe na se retrouver, il faut na luka mwaenga ba luba ba se retrouver, il faut na luka mwaenga ba Congo ba se retrouver. Il n'y a même pas de programme. Et loko nyoso oyo soki tolandi premier ministre, o alobaki ke bakosala, eloko moko ezate. Bazata na kaneva moko te zako dirije bango alobaki, bo awa tolobaki tokosala boye.
qu'est-ce qu'il faut pour que tout ça la boue? Baza n'a pas solution à ta mon côté. Ils n'ont aucune solution. Et tous ceux qui ne kaka na ndenyora na bulu ye kaka balobi balabala et tonga mité oh non bon tonga au courant exact ils n'ont pas de solution problème bazana le problème oh ils ont posé ils n'étudient même pas que tout ça la biloko ndengeni bandeko excusez-moi le terme pourquoi je veux dire que ils n'étudient pas ce sont les faits que nous constatons sur le terrain mutoyo azana solution ayaka lobi. Premier jour na kokota na ndako oyo na kobongisa fenêtre oyo fenêtre oyo ndako na monique ndako esi baby moyenne ata na bongisi fenêtre nani bato les na buka kanda kwa ngomo bimba le avant kota na ndako dès que o moni ndako o kotala ata bato ta mbuto na zo pesa ba exemple pour illustrer que non le gouvernement actuel et le pouvoir qui est en place actuel n'a pas réfléchi sur les solutions de problèmes auxquels le pays traverse. Bandeko, les lotos tozo linga toto lobela. République démocratique du Congo, c'est quoi sur le plan administration? Eza ndengeni, eza illustré comment? Et puis nous mokobota la soki sikona ba illustration ana. Bokende kota la ba entité wana eza ko fonctionner ndengeni. Est-ce que le président de la République, disons, Bato Bazana pouvoir actuel, ont-ils songé à se dire que non? Comment est-ce que nous pouvons redresser notre administration? Tozana ba exemple belé, na kopé sa sous moko. La question de l'identité, Bandeko. Est-ce qu'il faut, il faut vraiment être au pouvoir pour savoir comment est-ce que Ngaï na organisé recensement à Batou, na ba identification à Batou? Nous, nous avons des programmes ici, nous avons des suggestions à Bato, à comment, Bato, à Boigna, à Zor, Cotine de la Wabi. Germain, parle un peu sur comment est-ce que nous pouvons organiser l'identification. C'est ça l'administration. Ah, Naza Koloba, je crois que nous allons y aller avec au moins deux émissions. Il faut que les gars aient deux émissions. Nous allons introduire Oyokaka parce que. Batu o baza sur le na pouvoir lelo baza comme si baza busy pour ne rien faire. Ils sont trop occupés pour ne ata impact mon ko e komona na te. Pourquoi je dis ça? Bandeko. Makamweza ko le kana na est de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas que quand tu viens au pouvoir que tu vas commencer à trouver une solution là-bas. Mais attends, tous ceux qui sont en 2023, dans l'élection, nous préparons les élections. Quel est le discours que tu vas dire? Parce qu'il faut qu'il y ait un discours. Bon, tant qu'on a comme président de la République, voici ce que moi je veux faire. Voici comment je vais réunir l'argent. Place Nina Monga na Kosala. Bandeko, j'étais très choqué et puis très indigné. Il y a un discours, il y a Fayoulou. Excusez-moi les gens qui supportent Fayoulou. Lui-même aussi ne connaît pas, ne sait pas. Azoloba, oh non, on peut aller aux élections sans recensement, sans identification. Parce que identification à recensement et qu'on soit biso 5 ans. Bandeko, moi j'ai été ahuri. Je me dis, mais est-ce que ce monsieur vraiment vaut qu'il soit président de ce pays? Mais maintenant, si quoi, Ozolingabo, Kenela, va élection, qui vont élire? Qui vont élire? Il y a moi là, besoin de quelqu'un. Et bien que ceux qui va kenena ma ponami, peut-être qu'ils vont échouer, ou bien peut-être qu'ils savent que non, na ma ponami, na modèle oyo et que ça les mate. C'est pour cela que nous disons ceci, Bandeko. Pour que tous à la longue, parce que nous terminons toujours nos émissions en donnant ce que nous pensons qui doit être fait. Pensez à Bissou Ndenge et Lubamande. Notre pays, nous avons 26 provinces. Ngai nazwaka cartographie ya mboka na biso na ndenge ezali lelo pour que à partir ya ndenge tozali to commencer ko étudier ba solution. Nous avons 26 provinces. Le 26 provinces eza vraiment illustratif. Muto ya kata ki ba biloko. Moi je félicite ce travail qui a été fait. Pourquoi? Parce que chaque province eza na un certain nombre à ba territoire. Nous
avons au total 145 territoires. L'article 10 de la Constitution, on parle de tout Congolais, tout groupe ethnique ou tribal, de ethnie ou tribal, nous en parlerons, qui possédait des terres au moment où nous accédions à l'indépendance. Donc c'est reconnu, tous en a un groupement, tous en a un secteur, un secteur où on a une ethnie où on occupaka, où on a un colo, où on a un. Mais quand on nous dit, il y a des gens qui parlent, qui viennent à la télévision nous disant que non, c'est impossible, on ne peut pas faire une identification de la population. Et là, ça m'écœure encore une fois de plus. L'identification devait être l'opération la plus simple. Je vous dirai pourquoi est-ce que Batou Balingi a l'identification normale. Ils vont inventer des termes. Identification scientifique, identification administrative, tout ça pour nous embrouiller pour que biso ba congolais toye ba eloko nini tozo lingate pour na poko ko tombola mboka na biso bandeko ba tuana ba koyana ba discours. Oh non, il faut faire mboka eza accessible te mboka mais ba bandeko, vous pouvez partir de Kasumbalesa jusqu'à Mobaye Mbongo ok na Congo central tina aru. Na ba mabele nyoso okokuta batu bakoyebiso ke awa eza epaya chef tel. Awa eza mabele ya batwa, awa eza mabele ya banande, awa dans chaque territoire nous connaissons exactement ce qui se passe. Et il y a beaucoup, il y a des gens là-bas, batu bazakuna, et il y a aussi des intellectuels, ba mwami bazali. Batu bazali. Quand on nous parle que le Congo n'est pas cartographié et que c'est n'importe où il faut que les Congolais soient cartographiés, moi ça me fait très mal. Pourquoi? Parce que nous compliquons la situation nous-mêmes. Bandeko, si on tourne chef à secteur fulani, bah quoi biso que ma chef voya na secteur wana bazali. Bah toi bazabo. Alors qu'est-ce que identification ni n'ango tozo lukalisus? Qu'est-ce que nous allons, qu'est-ce que nous cherchons au-delà de cette idée? Ba chef wana ba koyé ba ko identifié ba tuna bango. Quand on parle oh non ba tubaza banani ba réfugié ba zali côté à Fizi kuna. Mes chers amis, quand tu vas à Fizi ba koyé biso que non awa toyebi
Moutoutel n'est chef à groupement, Moutoutel n'est chef à secteur. Mais maintenant, Kinshasa, au lieu de nous embrouiller, il néglige tout ça, il ne nous parle pas des chefs de secteur, il ne nous parle pas des chefs de groupement, il ne nous parle même pas des chefs de cité, ni des villages. Quand il y a un village, Toyebi, ils vont vouloir que tout haut, à cause de l'identification, Outakana Kinshasa, au lieu de se dire que non, Bandeko, dans chaque village, organisez-vous à ce que vous allez vous identifier. Parce que le chef de village, Yemi, ma famille, l'un étranger ne peut pas venir se dire que non, tout ça qu'on identifie, le Congolais, non, ça ne pouvait pas se faire. Alors, tout le temps, on va faire une conférence, il y a paix, tout ça. Ils voudront encore que ces gens-là quittent à Kinshasa. Là, il y a les gens. C'est là où nous sommes en train de faucher. Bandeko, tant que nous ne respecterons pas ce que le plan a laissé sur papier ici, il y a qu'on dirigeait à Kolobano, il y a Congo central, on ne peut pas s'ingérer dans les Kambouakoukendekou, qu'on identifie par MAT. Nous ne pouvons pas, les gens qui viennent du bas Congo ne pourront pas aller identifier les EMA. Or, dans les EMA, on sait, même dans Katia Banyamulenge, et là où on va identifier les Banyamulenge, quand ils seront identifiés en disant que non, Bino Banyamulenge, identifiez les Banyamulenge. Les Banyamulenge sauront que Oyaza Congolais, Oyaza Rwandais. Ils décéléreront ça. Mais si nous voulons biaiser les choses, nous allons prendre un Ngwandi pour aller identifier les Banyamulenge. Là, ça va biaiser tout. Et c'est ça que nous disons, Bandeko. Partons sur de bonnes bases. Respectons les gens dans leur entité administrative. Peut-être après demain, parce que demain encore nous allons parler de l'état de siège. Et nous pourrons vous donner combien de gens qui sont déjà morts, déjà depuis. Aujourd'hui nous sommes le 7 septembre. Donc, à partir de septembre, Tokomi déjà n'a pas 85 morts. Donc, on parlera demain de l'état de siège. Nazako s'arrêtait. Ça, c'était qu'une parenthèse. Bandeko Bomoni, comment est-ce que le Congolais lui-même veut torpiller l'identification? On va nous inventer des termes, identification scientifique. Nous avons besoin à ce qu'un Congolais puisse avoir sa carte d'identité. Carte d'identité est qu'on identifiable par. Les gens, les gardiens de coutumes, batoyo bayebi que non oyaza munande, oyaza mukongo, oyaza mongo, oyaza boy. Mais si tu prends un swahiliphone de Lumbashi, de Kipushi, d'aller identifier les mongo, là nous allons biaiser tout. Ces gens-là se trouvent où? Ils se trouvent à Kinshasa. Bangone mutubaza kolinga, ba capturer. Nous avons besoin de ce que Batuna batubaza la ko s'identifier na katia ba nan na bango. Selon ce projet que nous avons en main ici, ça ne peut pas nous prendre une année ou même 6 mois. Dès que les opérations sont lancées, parce que secteur est ébani. Et tout, nous savons les secteurs, nous connaissons les villages. Il suffit tout simplement de mettre un peu du sérieux et de la bonne volonté. L'identification maximum et ça coupe sa bise à peu près 6 mois maximum. Ce qui t'occupe qu'aucun d'au-delà à 6 mois, nous pouvons identifier tous les Congolais vivant sur le sol congolais. Parce que si nous identifions déjà les chefs coutumiers, les chefs de village, les chefs de cité, on a bah constitué Bah, comité na bango ya identification ko loba bon identification ko salema boy ba kao e ko banda ko kende boy tout ça. Et puis nous avons une database qu'on construit en haut, et ça ne peut même pas demander beaucoup de temps.
Nous pouvons commander les machines. Bah, même machine, on a saigné exactement qu'on utilisait. Ces machines-là peuvent nous aider à faire l'identification, à imprimer la carte d'identité à solo. Oh, tout le temps, à brandir la carte d'identité, on a. Ozala na Kasumbalesa, ozala na Aro, ozala na Mobaimbong, ozala na Mbandaka, tu peux vérifier la véracité de cette carte d'identité. Carte d'identité, on a dit que ouverture à Kolobake. Non, c'est maintenant que nous pouvons savoir combien de peuples nous avons. Le projet Nabiso Nyoso est kokende à partir des nombres de personnes que nous saurons. Tokoye ba banani ba salakate, banani ou ba chômeur, ba za combien. Et là, nous pouvons planifier. Mais oh, nous sommes politiciens, nous sommes Koloba, biloko nous sommes Nabiso, ces gens-là sont en train de nous tromper. Merci beaucoup, on va s'arrêter ici, en remerciant encore tout le monde qui est en train de s'abonner. Vraiment, bon ça, tout, bon s'abonner. Ce que vous avez pour la première fois, ne manquez pas de nous laisser un message. Si vous avez aimé, laissez un petit like. Voilà, et qu'on s'appelle Sabiso, qu'on peut Sabiso, orientation à ma émission Nabiso. Parce que ma commentaire Nabino, ne peut pas Nabiso, par exemple, tant que tu as dit qu'il y a une administration, nous avons introduit un gros cac. Mais tu as dit la loi, décret loi 081 portant organisation et administration de la RDC. On a place nous sur le côté de la commune rurale, la commune urbaine, Babylon, surtout le district, comment ils sont faits. Babylon, on a nous sur les alliés. Mais nous, les Congolais, nous voulons, je ne sais pas, Tolingi, tout ça, la mboka na biso ndengeni. Ce qui t'a dit la solution que vous avez à Libanda, il y a un peu de temps et il y a un peu de temps. Merci beaucoup, on se revoit demain dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, au revoir.